François Gaudreau, directeur du consulting ADP, est en notre compagnie. François Gaudreau, parlez-nous de ce benchmark ADP 2013. Alors, le benchmark ADP 2013, c'est 145 entreprises auditées, 145 entreprises de plus de 1000 salariés sur un périmètre France. 145 entreprises, ça représente 12% des entreprises de plus de 1000 salariés en France, du secteur privé. Ça représente également plus de 1 million de salariés. Et puis surtout, ce qui en fait, selon nous, la valeur et la légitimité, c'est que ça représente plus de 5000 experts métiers qui ont été audités. Alors, des experts métiers, vous êtes des experts de la fonction RH et de la paye, en particulier chez ADP, et vous accompagnez les entreprises sur la voie de la productivité RH. Quelle est votre différenciation ? Notre forte expertise de l'externalisation de la fonction paye et administration du personnel, ce qu'on appelle le BPO. Aujourd'hui, 500 000 bulletins de paye sont produits tous les mois par ADP dans le cadre de l'externalisation de la fonction. Cette expertise nous a permis de bâtir une analyse extrêmement précise du métier, une grille des processus, aujourd'hui plus de 150 processus. Et c'est cette grille d'analyse qui nous permet d'auditer les fonctions paye que nous allons interroger. Finalement, ça nous permet de faire, un diagnostic de la fonction, 2, une comparaison aux best practices et aux benchmarks de la fonction, 3, de détecter les axes d'optimisation. Alors, pour les entreprises, quels bénéfices, justement ? Aujourd'hui, les DRH ne peuvent plus se contenter de visions théoriques et conceptuelles de l'optimisation et d'une vision forcément réductrice du coût facial de la fonction. Ce que nous leur apportons, c'est une véritable visibilité sur le coût complet de la fonction, ce qu'on appelle le TCO, et puis également sur un véritable projet de transformation englobant optimisation du système d'information, refonte de l'organisation, amélioration des process et coût complet TCO cible à obtenir. Alors en conclusion ? En conclusion, prendre connaissance du benchmark ADP 2013, c'est faire un premier pas vers la nécessaire transformation de la fonction. François Gaudreau, merci.